Bonjour à tous, bienvenue sur le Web Today. Premier jour de cette 7e édition. On a déjà eu une matinée bien chargée avec énormément de conférences à suivre, notamment sur Facebook. On a pu voir aussi Paul Duhan qui venait de San Francisco pour nous présenter son ONG Base Impact. Énormément de conférences à suivre, des showrooms aussi, des ateliers, pas moins de 45 en tout conférences à suivre, 180 speakers. Et parmi tous ces speakers, il y a notamment Olivier qui est avec nous. Vous êtes le directeur régional de RDF. Alors c'était surprenant de vous voir ici dans la rencontre des acteurs du numérique pour un grand groupe. Qu'est-ce que vous faites ici ? On est directement connecté aux enjeux du numérique. ERDF aujourd'hui, c'est les réseaux d'électricité. Notre premier enjeu, c'est les smart grids, c'est les compteurs communicants avec le déploiement de Linky, c'est intégrer de nouveaux transferts de compétences, nouvelles relations clients. Les enjeux digitaux sont dans le cœur de nos métiers d'aujourd'hui. Et vous lancez d'ailleurs un appel à projet pour toutes les startups ici présentes. Qu'est-ce que vous recherchez ? Exactement, un grand jeu concours, 500 000 euros de prix à gagner. On a lancé ça autour de 8 grandes thématiques, nos techniciens 3.0, notre nouvelle relation client, les enjeux post-source, les enjeux du véhicule électrique, les enjeux de MDE. On a besoin d'idées fraîches, on a besoin d'idées nouvelles. Et ce qui serait juste génial, c'est que ce soit des jeunes startups nantaises qui nous aident à déployer ces nouveaux projets et qui soient gagnantes de ce concours. Mais si vous pensez que votre projet correspond au projet de RDF, il suffit d'aller les voir sur le stand. Est-ce que vous allez suivre vous-même des conférences cet après-midi ? Ouais, pendant ces trois jours, jour et nuit, oui, évidemment. Avec le projet Smart City de Nantes nous intéresse nécessairement, on est impacté. L'open data, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données ? Linky, c'est 100 000 milliards de données, qu'est-ce qu'on en fait ? Forcément, les enjeux de l'open data nous intéressent fortement. Voilà, énormément de conférences à suivre, je vous le disais, pour vous donner un exemple. Ici, salle Maxi, tout à l'heure, 14h30, on parlera des nouveaux entrepreneurs dans les médias. En même temps, salle Micro, on parlera effectivement Big Data. Et puis, on parlera ensuite de ces entreprises dites disruptives qui n'hésitent pas à casser les codes des professions réglementées pour monter leur boîte. Si vous voulez réagir sur ces conférences, ça se passe sur Twitter avec le hashtag Web2Day. Vous pouvez suivre les conférences en live aussi sur l'adresse webtoday.co/live. Si vous voulez réagir aux conférences salle Maxi, c'est hashtag Maxi Web 2D, excusez-moi, hashtag Maxi Web 2Day. Et puis pour la salle Micro, c'est la même chose, hashtag Micro Web 2Day. N'hésitez pas à le commenter, de toute façon c'est très simple, hashtag Web 2Day, ça suffit. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver tous les jours en vidéo à 13h, on fait des émissions spéciales. Et puis à 21h, c'est le Zap Today qui concentre en une minute le meilleur de la journée du Web 2Day. Très bon après-midi à tous ici sur le Web 2Day depuis votre écran d'ordinateur ou ici même à Nantes sous les nefs de Stéréolux.